Evet. Günaydın, iyi akşamlar. Nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Draman Kido veya Kindo Bey inşallah. Bugün sizlerle en önemli film Türkçe'de en kullanılan filmler inşallah sizinle paylaşacağız. Okay. Yani yaklaşık 20 tane var. Ve ünlü harfler ve ünsüz harfler inşallah. Bunu daha gidip buluşacağız. O zaman ayrılmayın. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Bon arrivé à notre canal, à notre groupe de travail. Ok, donc aujourd'hui nous allons voir les verbes les plus importants en turc. Voilà, il y en a d'autres, mais c'est une vingtaine. Voilà, maximum 20. Nous allons vous donner, voilà, et les différents sens et comment il faut les utiliser. Ok? Voilà, donc c'est simple. C'est simple. Une chose, vous savez que la langue turque, c'est une langue qui est basée sur ce qu'on appelle l'harmonie de voyelles. La langue turque est une langue qui est basée sur ce qu'on appelle l'harmonie de voyelles, n'est-ce pas? Donc pour cela, il faut tenir compte des voyelles lorsque nous voulons faire les différentes constructions. Okay? Donc voyons rapidement comment on forme le verbe, comment on forme l'harmonie de voyelles. Et ici, on va voir le présent également, n'est-ce pas? On y va. Donc, les voyelles. En turc, on a 8 voyelles. Les voyelles fortes ou les voyelles lourdes, ou les voyelles légères ou les faibles, les voyelles faibles. Ok? Donc on a A, E, O, A, E, O. Ça c'est les voyelles fortes ou les voyelles lourdes. Et les voyelles faibles ou les voyelles légères, E, I, E, U. E, I, E, U. E, I, E, U. Ok? Donc voici les 8 voyelles en turc. Voilà. Maintenant pour former la forme infinitive des verbes, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la dernière voyelle de votre verbe. Si la racine de votre, la dernière voyelle de la racine de votre verbe est soit l'une des voyelles fortes, alors on ajoute mak. Je reprends. Si la dernière voyelle de la racine de votre verbe est l'une des voyelles a, e, o, u, pour avoir la forme infinitive, on met mak. Si la dernière voyelle de la racine de votre verbe est l'une des voyelles faibles ou légères, soit e, i, e, u, alors on ajoute mec. C'est bon? Ok. Donc, une fois on connaît la racine du verbe, par exemple, on a ici yap, mac. Yap, mac. À cause de cette voyelle A là, c'est le A-E, A-E, donc on met mac. N'est-ce pas? A, une voyelle forte, on met mac. Je veux dire faire. Git mec, la dernière voyelle c'est i. Donc, même mec, n'est-ce pas? C'est une voyelle légère. Tu veux dire, git mec, c'est partir, aller. Ok? Gel mec. Gel mec. La dernière voyelle, c'est. Et est ici. C'est ici une voyelle faible. Et donc, on va mettre mec. Gel mec, veut devenir. Almac. La dernière voyelle, c'est la première lettre, c'est A. Une voyelle forte, A. Ici, on va dire almac. Tu veux prendre, mais acheter. Ist mec. Ist mec. La dernière voyelle, c'est le E. Iste. Le E, donc c'est une voyelle faible. On va dire ist mec, c'est de vouloir. Ok, çalışmak. Çalışmak, la dernière voyelle c'est le e, c'est une voyelle forte e. Donc çalışmak, travailler. Ok, on a bilmek. Bilmek, la dernière voyelle c'est le i. Donc le i c'est une voyelle faible ici. Donc bilmek ça veut dire savoir. Ok, konuşmak. Konuşmak veut dire parler. Konuşmak, parler. La dernière voyelle de konuşmak c'est le u. Le u il est ici, hein? Ici konuşmak veut dire parler. Ok, konuşmak, on ajoute mak, parce que la dernière voyelle c'est u. Konuşmak, ok, mak, un voyelle forte, le u là c'est une voyelle forte, konuşmak, veut dire parler. Okumak, 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 la dernière voyelle c'est le u. Ici, u, on ajoute mak, okumak veut dire lire, ou ça veut dire encore étudier, n'est-ce pas? Sevmek, 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 en ça on enlève, la racine du verbe c'est sev. Donc, le E, c'est une voyelle faible. E ici, serve, mec. On a tout mec ici, n'est-ce pas? Serve, mec, veut dire aimer. Ok, on continue avec des mecs. Des mecs. Des mecs. Serve, mec, veut dire aimer. Des mecs. La dernière voyelle, c'est ici, c'est le D, le E. Ok, le E, c'est une voyelle faible, il est ici. Ok, elle est ici, pardon. Ok, donc, on met des mecs. Des mecs, c'est dire. Ok, dire. Ok, on a du chun, mec. Du chun, mec. La dernière voyelle de la racine du verbe, c'est le U. U ici, U. Donc, si le U, c'est une voyelle faible. Okay? Il est ici, mais faible. Alors, on va utiliser le mec. On va dire du chun mec. Ça veut dire réfléchir. Ok? Yemek.
Yemek qui veut dire quoi? Yemek qui veut dire manger. Donc la dernière voyelle c'est le e. N'est-ce pas? Une voyelle faible e. On va dire yemek qui veut dire manger. Ok, on a ich. Ok, ich. Ichmek. Quoi? Ichmek. Ichmek. La dernière voyelle c'est le i. Ok, i. Comme c'est plus rarement pas le i, point ici, le i. Mais ichmek qui veut dire boire. On a le i ici. On va ajouter mek. Ichmek, c'est le boire. Ensuite, on a bash, la mac. Bash, la mac qui veut dire commencer. Commencer, la dernière voyelle, c'est une voyelle forte, c'est le A. A, ok? On va mettre mac. Bash, la mac qui veut commencer. On a all mac. All mac, la dernière voyelle, c'est le, ici le O, ok? All mac. All mac. On va dire all mac qui veut dire être. Oui? Seuil les mecs. Seuil les mecs, ici là, c'est être, mais ça va bien sortir. C'est le être, mais seuil les mecs. Seuil les mecs, ici, on a un qui est. Le S est une voyelle faible, donc sur le mec, ça veut dire, le dire, ok, voilà, sur le dire, ok, on a yat, yat, mac, la dernière voyelle c'est le A, donc c'est A, c'est une voyelle forte, c'est pourquoi on met mac, yat, mac, dormir, ok, on a autour, mac, la dernière voyelle c'est le U, U ici, U c'est une voyelle forte, on va mettre mac, donc on va dire autour, mac, si vous voulez s'asseoir, sor, sor, mac, la dernière voyelle c'est le O c'est une voyelle forte, il est ici, on va dire sor, mac, je vais dire questionner, voilà. Donc voilà, comment forme-t-on l'infinitif des verbes en turc. Maintenant, c'est très simple. Pour conjuguer les verbes, des mots où on connaît l'infinitif, il suffit d'enlever le mac, mec, et on a autre chose. Pour avoir la forme infinitif, on va la racine du verbe, on ajoute mac ou mec. Pour ajouter le mac, il faut regarder si le verbe, si la dernière voyelle lourde, c'est l'une de voyelles fortes ou l'une de voyelles lourdes, A, E, O, U, on va mettre mac. Si la dernière voyelle du verbe c'est l'une des voyelles faibles ou l'une des voyelles légères, E, I, E, U, on va ajouter mec, n'est-ce pas? Maintenant, pour avoir la forme infinitive, pour avoir l'impératif, comme on appelle, il est émir qui vit. Pour avoir l'émir qui vit en dessous, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le mac, la forme infinitive, la mac ou le mec. Si on enlève le mac ou le mec, ce qui reste là, c'est la forme infinitive comme ça. Ce qui reste, c'est la forme infinitive à la forme affirmative, n'est-ce pas? La forme affirmative. Généralement à la deuxième personne du singulier. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, par exemple, on a yakmak qui veut dire faire, ni yak, faire. Git, va, gel, vient, al, prend, achète, iste, c'est de vouloir, chalish, travail, bil, c'est, savoir, konush, parle, oku, dit, serve, m, de, dit, du chine, réfléchis, ye, mange, ich, bois, bashna, commence, all, soit, ok, all, soit, ok, seule, dit, yat, couche-toi, autour, assois-toi, sort, question. Et maintenant, à la forme négative. À la forme négative, on va enlever, concernant les verbes, la forme négative, c'est le ma, n'est-ce pas, le ma ou le mais. Ma pour les voyelles fortes, mais pour les voyelles faibles, ok. Donc, on a, pour dire ne fais pas, yap ma, ne va pas, git me, ne viens pas, gel me, n'achète pas ou ne prend pas, alma, ne vouloir pas, ne pas vouloir, isteme, chalishma, bilme, konushma, okuma, sevme, deme, düşünme, yeme, içme, başlama, olma, söyleme, yatma, oturma, yapma, sorma. Maintenant, si, voilà, au côté şimdiki zaman. Le chimique zaman, nous avions vu, qu'est-ce que nous avions dit concernant le chimique zaman? Nous avions dit que, concernant le chimique zaman, il suffit d'enlever le mac ou le mec. Ce qui reste là, en fonction de l'harmonie de valeur, on ajoute le io, n'est-ce pas? Soit c'est io, io, si la dernière valeur, c'est soit est i, on ajoute io, si la dernière valeur du verbe, c'est soit eu. On ajoute io, le i sans problème, si la dernière valeur, c'est soit o ou e. On a dit « ouyo » si la dernière voyelle du mot c'est soit « o » ou bien « ou », n'est-ce pas? On parle par exemple de premier « yakmak ». Pour dire « je fais » ou bien « je suis en train de faire »« ben yapio » « sen yapiyorsun »« o yapio » »« biz yapıyoruz »« siz yapıyorsunuz »« onlar yapıyorlar » Son bana « gitmek » « ben gidiyorum » « sen gidiyorsun » « o gidiyor » « biz gidiyoruz » « siz gidiyorsunuz » « onlar gidiyorlar » Gelmek veri venir, ben geliyorum, je viens ici en train de venir, sen geliyorsun, tu viens ici en train de venir, o geliyor, biz geliyoruz, siz geliyorsunuz, onlar geliyorlar. Si on prend almak veri acheter ou bien prendre, ben alıyorum, je prends ou bien achète, sen alıyorsun, o alıyor, biz alıyoruz, siz alıyorsunuz, onlar alıyorlar.
Ok, son bırak istemek. Ben istiyorum. Sen, sen istiyorsun. O istiyor. Biz istiyoruz. Siz istiyorsunuz. Allah istiyor. Allah. Ok. Sonra bilmek ve sabahını. Ben biliyorum. Je sais. Sen biliyorsun. O biliyor. Biz biliyoruz. Siz biliyorsunuz. Allah biliyor. Allah. Ama konuşmak. Ben konuşuyorum. Sen konuşuyorsun. O konuşuyor, biz konuşuyoruz, siz konuşuyorsunuz, Allah konuşuyor. Allah. Okumak. Ben okuyorum. Sen okuyorsun, o okuyor, biz okuyoruz, siz okuyorsunuz, onlar okuyorlar. Sevmek ve emin. Ben seviyorum. Sen seviyorsun, o seviyor, biz seviyoruz, siz seviyorsunuz, Allah seviyor. Allah. Sonra demek. Aslında regardez ya, ici ya, problem ici. Ama di, diyorum, ama di. E-i, vas-y mettre en sens i. Ok, ben diyorum, je dis. Ben diyorum, je dis. Sen diyorsun, tu dis. O diyor, biz diyoruz, si diyorsunuz, onlar diyorlar. Ok, düşünmek. Düşünmek ici. Ben düşünüyorum. Je réfléchis. Sen düşünüyorsun. O düşünüyor. Biz düşünüyoruz, siz düşünüyorsunuz, onlar düşünüyorlar. Yemek également. Adli yemek demek selamemiş. On va dire quoi? On va dire yiyor. On va dire yi. Le e c'est la rafale i. Hein? C'est le e i. Et on va dire, on va enlever le e, là on va mettre i. Ok, c'est comme là, là on a fait le demek. On va dire diyor. Ok, yiyor. Ben yiyor, je mange. Sen yiyorsun, tu manges. O yiyor, il mange. Biz yiyoruz, nous mangeons. On est en train de manger. Siz yiyorsunuz. Onlar yiyorlar. Ils mangent. Ok. İçmek. Boire. Ben içiyorum. Je boire. Sen içiyorsun. O içiyor. Biz içiyoruz. Siz içiyorsunuz. Onlar içiyorlar. Başlamak ve recommencer. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ici. Ici la lettre le A la. Sera A, A, E. Sera donne I. Başlıyor. Başlıyor. Ok. Yani füzyon. İyileşiyor. İyi başlıyor. Ben başlıyorum. Sen başlıyor. O başlıyor. Ben başlıyorum. Sen başlıyorsun. O başlıyor. Biz başlıyoruz. Siz başlıyorsunuz. Onlar başlıyorlar. Ok. Olmak. Olmak. Biri etra. Ben oluyorum. Je suis. Sen oluyorsun. O oluyor. Biz oluyoruz. Siz oluyorsunuz. Onlar oluyorlar. Söylemek. Söylemek. Silahsa ötürme. İsterlerle öyle. Le e var. Et la partie, ok, va tenir compte de cette voie là, l'allemand de Mousseline va faire E. Söylemek. Ben söylüyorum, je dis. Sen söylüyorsun, tu dis. O söylüyor, biz söylüyoruz, siz söylüyorsunuz, Allah söylüyorlar. Yatmak. Ben yatıyorum. Sen, je me couche, yatıyorum, je me couche, ils sont en train de dormir, ils sont en train de me coucher. Sen yatıyorsun, o yatıyor, biz yatıyoruz, siz yatıyorsunuz, onlar yatıyorlar. Oturmak, c'est s'asseoir. Ok, ben oturuyorum. Oturuyorum, je m'assois. Ok, ils sont en train de m'asseoir. Sen oturuyorsun, tu t'assois, tu es en train de t'asseoir. O oturuyor, il s'assoit, il est en train de s'asseoir. Ok, biz oturuyoruz, siz oturuyorsunuz, onlar oturuyorlar. Ok, sormak, poser la question, demander. Ok, ben soruyorum, je demande, pose la question. Sen soruyorsun, o soruyor, biz soruyoruz, siz soruyorsunuz, Allah soruyorlar. Donc voilà des éléments, même si on va au futur, on va au passé, c'est la même chose. On prend seulement la racine du verbe, à laquelle on ajoute un élément clé du temps. Ok, ok, c'est ce şimdiki zaman, c'est le yor, yor qu'on ajoute, si c'est le futur, on va voir, c'est le edek, si c'est le passé, c'est le de, ok, qu'on ajoute ainsi de suite. Donc voici un mot. Quelques leçons et une vidéo qui rassemble à peu près comment forme l'infinitif des verbes, l'argot des voyelles, l'impératif, comment on peut dire, l'impératif en forme affirmative négative, deuxième personne singulier, et le shimdiki zaman, n'est-ce pas, shimdiki zaman, ok, shimdiki zaman, c'est seulement à la forme affirmative, ok, il y a la forme négative, il y a le olumnu, olumnu suru, et olumnu suru, mais ça, c'est on avait seulement olumnu seulement, ok, donc j'espère que vous avez aimé, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous venir en inbox, ou bien poser des questions sur notre WhatsApp, ok, et nous allons faire plaisir de vous aider, ok, avec un réel plaisir, merci, 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 merci bien. Ok, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ok, n'oubliez pas de partager avec tous ceux qui apprennent la langue turque. Il faut aimer, il faut liker, il faut commenter ici. Ceux qui ne sont pas abonnés, il faut le faire. Ne pas, en tout cas, rater les vidéos précédentes. Ceux aussi
qui sont abonnés, il faut commenter, il faut liker, le coup de pouce, faut activer la cloche, voilà, pour nous permettre vraiment de, en tout cas, de faire d'autres vidéos pour vous aider à mieux comprendre la lecture de chez vous. Ok, merci. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Güle güle. Au revoir.